Vladimir Poutine, au lieu pour t'ajouter machine blindée, soit qui en panneau qui a problème, eh bien, dans le pays la Russie, des nouvelles usines pour réparer toute machine blindée. Gouvernement russe a ordonné pour ouvrir dans le pays des nouvelles usines chargées pour réparer toute machine blindée pendant le conflit dans le pays Ukraine. Eh bien, qui te rappelle tout, dans le moment actuel, les gens qui dans le pays Europe, yo a vivre sur grand menace dans moment actuel là. La. Vie moun dans pays Europe yo menacé par rapport avec centrale nucléaire de Zaporizhia, pigo centrale nucléaire pour Europe là dans pays Ukraine. Et bien dans dossier guerre dans pays Ukraine après un paquet de bombardements, nous gen dernier réacteur de centrale nucléaire de Zaporizhia qui débranché. Bamzou, rete connecté kounya, moi pa détailler chaque grain information ça avec vous. Pas oublier un pile dans monde qui t'est venu avec groupe AIEA pour capable gérer problème qui gagne en dedans centrale ça gagne un pile là-dedans qui gagne temps aller en rester connecté kounya comment nous y ça en fait nos pam c'est route Asian et c'est toujours un grand plaisir pour me capable retrouver avec vidéo ça fait comme content kounya mettre la joie sous kem like vidéo ça partager le plaisir côté bam c'est que partage chaque grain monde commenter kounya. Et pas oublier moun ki nan pays d'Haïti, Haïtien nan pays d'Haïti. Mwen salye nou République Dominicaine, Brésil, Chili, Canada, pays les États-Unis, la France, Bahamas, Mexique qui toujours rete connecté. Nou important pou travay ça, mwen men nou en pile. Réacteur numéro 6 qui te sel, qui te fonctionné nan central ça. Journée samedi qui sot passé là, numéro 5 là, te campé en raison de un bombardement qui te endommagé. Une ligne électrique, une inquiétude qui a grandi dans l'entourage plus grand centrale nucléaire pour Europe là. Dernier réacteur qui a fonctionné dans la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia dans le sud pays ça qui occupé par force russe débranché dans réseau à journée lundi 6 septembre 2022. Et bien c'est ça qui était indiqué par opérateur état ukrainien Energoatom. Réacteur numéro 6 l'an campé et débranché dans réseau 1. C'est ça qui était déclaré par Energoatom sous Telegram pendant la mettre en cause un incendie qui capable déclarer à cause d'un paquet de bombardements et endommagement dans la ligne électrique qui a prélié unité ça dans réseau ukrainien. Est-ce qu'on entendait qui danger qui gagne dans le moment actuel dans le pays Ukraine et surtout sous toute Europe là. Journée samedi qui était 3 septembre 2022. Celle qui a réacté ça, c'est celle lui-même qui a fonctionné parmi 6 unités dans la centrale ça. Agence internationale de énergie atomique AIEA, côté qui a un paquet d'experts qui trouvait sous place, t'es déjà annoncé que arrêt réacteur numéro 5 là, également en raison de endommagement dans la ligne électrique suite à un bombardement. 4 autres réacteurs dans Zaporizhia, désormais déconnectés depuis un paquet de semaines. Opération qui t'a mené par directeur général de AIEA, Raphaël Gossi. Majeure partie de mission ça qui était centrale en même jour. Sous 6 experts qui étaient sous place, 4 n'ont pas parti journée lundi 5 septembre 2022 en matin, alors que des lotio t'a doué présent de façon permanente. Eh bien, c'est ça qui était indiqué par Energoatom dans un communiqué séparé. Tendez bien. 6 experts qui étaient sous place. 4 nan yo lagé pi yo. 4 nan yo lagé pi yo frèm. Et bien là, j'ai pas représenté là de l'autre ta supposé rester présent de façon permanente. Est-ce qu'on t'en décausé? Ça qui comptait des 6 réacteurs de une capacité de 1000 MW chaque grain. Centrale ça tombé dans mes troupes russes en masse peu après lancement invasion dans pays Ukraine là. Vidéo m'te fait pendant samedi avec dimanche qui s'est passé là, m'a été fort connait que troupes russes détruit bateau, yo détruit soldats qui a essayé frapper centrale ça. Eh bien, est-ce qu'on entend des sacs reproduits journée 5 septembre 2022? Yo entretien entre Emmanuel Macron et président ukrainien Volodymyr Zelensky journée lundi ça. Eh bien, nous avons Emmanuel Macron qui rappelait impérieuse nécessité pour préserver sûreté et sécurité de un paquet d'installations nucléaires et ça qui pas capable passer par un retrait des forces russes.
C'est ça qu'elle t'a indiqué dans Élysée. Il t'a même réaffirmé détermination à ce que souveraineté ukrainienne sous centrale ça capable respecter. L'autre dossier important dans pays la Russie, des nouvelles usines pour réparer machine blindée yo. Nous avons un gouvernement russe qui a ordonné pour ouvrir dans pays des nouvelles usines chargées pour réparer véhicules blindés yo en plein conflit dans pays Ukraine selon le décret officiellement publié journée lundi 5 septembre sous site spécialisé de toute autorité russe. Usine numéro 71, usine numéro 72 doit gagner une licence état d'ici 4 mois selon décret du premier ministre russe Mikhail Mishustin, ça qui a daté journée 2 septembre. Objectif principal yo, c'est pour réparer toute machine blindée yo et automobile yo. N'ayon paquet intérêt dans défense précise décret publié sous portail officiel de yon paquet document juridique dans gouvernement russe là. Restez connecté, pas oublier abonner, partager vidéo ça tout côté, like, l'on like, ou fait que m content, ou fait me sentir que remet travail ça. Merci en pile.